Le village des recruteurs, deuxième édition ici en plein cœur d'Orléans, place du Martroi. Et on recrute, on le disait, à tous les niveaux, quasiment tous les profils. On va en avoir une nouvelle illustration avec Sabrina Ragheb. Bonjour, vous êtes responsable emploi RSE chez Engie Home Service. Alors vous recherchez des postes de techniciens plutôt qualifiés, mais vous me disiez vous êtes prêt, ouvert à tous, y compris à des autodidactes. Oui, tout à fait. Donc on a trois postes ici à Orléans de techniciens de maintenance en gaz. Engie Home Service est une filiale du groupe Engie de 4400 collaborateurs et on intervient principalement sur tout ce qui est confort énergétique de la maison, donc le dépannage à domicile, des chaudières, des climatisations. Et puis, on a aussi des petits services annexes sur tout ce qui est adoucisseur d'eau, VMC, voilà. Et ce sont des postes donc, qui ont deux casquettes. Hein. C'est à la fois la partie technique et puis la partie plus conseil. C'est forcément compliqué à trouver. Oui, alors il faut à la fois des personnes qui aiment la technique, mais qui ont un aspect relation client développé parce qu'on intervient dans le domicile, au domicile des particuliers. Et donc, il faut à la fois savoir dépanner, mais également expliquer ce que l'on fait. On intervient chez des personnes qui parfois peuvent être un peu anxieuses parce qu'on est sur des sujets sensibles en termes de sécurité, hein, tout ce qui est gaz, voilà. Donc on a également cette casquette de conseils à apporter, notamment quand une chaudière est trop obsolète, de pouvoir le dire et proposer voilà, tout un large choix de gamme. On bosse avec toutes les marques, donc il faut pouvoir conseiller. Ouais. Au-delà de réparer. Justement, réparer, conseiller, la compétence technique, elle s'acquiert finalement, alors que le sens du client, c'est un peu plus inné. Oui, c'est ça. Donc nous, on recrute avant tout sur effectivement le savoir-être. Il faut que les personnes aient un bon sens client, une bonne communication. Et si vous êtes intéressé par le domaine technique et que vous êtes bricoleur à minima, nous, on peut vous accompagner, vous former. On a une formation de 9 mois en interne, on a 8 écoles de formation sur toute la France et on est capable de vous former à ce qu'on appelle un CQPM, c'est un contrat de qualification professionnelle reconnu par la métallurgie dont nous sommes affiliés et qui vous délivre en 9 mois un titre et une embauche à la clé en CDI. Parce qu'encore une fois, il pourrait y avoir des barrières là, parce qu'on est sur des postes qualifiés quand même de techniciens, mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, vous recherchez aussi des autodidactes à partir du moment où ça match, où vous sentez le candidat ou la candidate qui est en face de vous. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez entrer chez nous sur un de nos trois postes de technicien ou de technicienne de maintenance, mais que vous pouvez évoluer au fil des années en interne sur un métier d'expert technique, de formateur ou formatrice, ou également en tant que chef d'équipe. C'est tout à fait possible. Ça, ces perspectives d'évolution, c'est quelque chose que vous vendez quand vous rencontrez des candidats. Vous en avez rencontré ce matin, je crois que vous me disiez. Oui, on a rencontré un très bon candidat plombier chauffagiste qui, lui, est tout juste diplômé. Donc, on lui a... Alors lui, il a que l'embarras du choix. Pourquoi il choisirait Engie Home Service? Eh bien, écoutez, c'est la rencontre de ce matin qui a fait qu'il y a eu une entente. Et c'est quelqu'un qui a travaillé chez un artisan. Qui connaît le monde de l'artisanat, ce sont nos principaux concurrents, et qui aujourd'hui souhaitent découvrir autre chose. C'est vrai qu'on a l'avantage d'être dans un grand groupe, mais dans des structures à taille humaine, nos agences sont en moyenne 15 personnes, donc on a un vrai esprit de famille, et puis des avantages bien sûr associés à un grand groupe en termes d'avantages sociaux notamment. Un esprit concurrent aussi pour vous, parce que là pour le coup il y a du débauchage, il y a de la concurrence, il faut trouver les bons arguments pour faire venir et convaincre les bons profils. Oui, alors on a été élu meilleur employeur via le palmarès Capital en 2019, donc sur un panel de répondants au hasard, dont on n'avait même pas été associé nous en tant que RH, donc ça montre qu'il y a une bonne ambiance dans les agences. Alors justement, on parle beaucoup de la marque employeur en ce moment, ça participe, ça permet de convaincre notamment des gens issus de générations plus jeunes. Oui, aujourd'hui c'est plutôt à l'employeur de savoir se présenter que l'inverse. Bien, le marché du travail change et il faut qu'on s'adapte effectivement, c'est à nous de convaincre également. Et aujourd'hui, dans l'optique de marque employeur, effectivement, les conditions de travail, c'est un discours qui porte aujourd'hui, notamment vers les plus jeunes. Oui, c'est quelque chose qui, effectivement, est en recherche. Enfin, les jeunes sont à la recherche d'une bonne qualité de vie de travail, d'un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Voilà, nous, on a un accord qualité de vie au travail avec notamment des thématiques sur le droit à la déconnexion, sur
une ambiance de travail saine entre les collègues. Voilà, on a tout un tas d'accords RSE, dont j'ai également la responsabilité, qui sont mis au quotidien dans nos plans d'action pour qu'on ait une bonne ambiance au travail. Bon, si vous voulez travailler dans une ambiance apaisée, familiale presque, malgré le fait que ce soit un grand groupe, n'hésitez pas à venir voir Engie Home Service ici à ce village des recruteurs d'Orléans. Merci beaucoup Sabrina Raguel et merci. Bonne journée. Merci.